Bonjour à tous, ici Nishigabi. Aujourd'hui, j'espère que vous allez super bien, alors que, eh bien, moi, je vais super bien. Donc, nous allons continuer avec notre deuxième vidéo en français pour l'ouverture de la Tin Box Sun and Moon de Lunala. Donc, si jamais vous n'avez pas vu, j'ai fait ma première vidéo en français, se portait sur la Tin Box Sun and Moon de Sol Galeo GX. Nous n'avons pas eu beaucoup de chance, mais en espérant que celle-ci nous porte bonheur et voilà, qu'elle nous porte bonheur. J'ai mon ami Negepi Minum qui est ici et j'ai retrouvé, voilà quelques temps, des petites figurines Pokémon. Un peu endommagé, mais c'est ceux que j'avais quand j'étais jeune, fait qu'on les aime pareil, même s'ils sont un peu maganés. Donc, on va ouvrir la tin box et on va revoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur un peu plus tard. Donc, comme de fait, on va regarder un peu la boîte à quoi qu'elle ressemble. Donc, comparément à Sol Galeo, celle-ci, elle est mauve au lieu d'être bleue. On a la Lunala, les énergies, Lunala, le signe logo Pokémon, et on a Sol Galeo ici sous le côté, et toutes les inscriptions sur l'arrière. Donc on va ouvrir la Tin Box. J'espère vraiment que vous avez apprécié ma première vidéo en français. Moi, en tout cas, je trouve que c'est quand même le fun. Même si j'aime beaucoup faire les vidéos en anglais, ça m'aide à pratiquer. Juste regarder à quel point elle est belle. C'est fou! Elle est en bon état à l'arrière, même s'il y a deux petits coins en blanc. Mais bon. On va la mettre de côté. Comme toujours, je vous donne ces cartes-là, les codes, car je ne les utilise pas. Donc, comme dans l'autre vidéo, dans l'autre Tin Box, on avait un XY Furious Fist, un XY Evolution et deux Sun and Moon Basic Set. Donc, on va commencer avec les Sun and Moon, puis on va finir avec les XY. La dernière fois, on n'avait pas eu beaucoup de chance, mais en espérant que là, cette fois-ci, ça va être vraiment bon. Que le pouvoir de la lune nous accompagne. Donc, je vais vous donner le premier code. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc, nous commençons avec une énergie fée. Je suis un peu mal placée actuellement, donc je vais essayer de faire mon mieux. Donc, on a une énergie fée. On a Brionne. Poliwhirl, Steeny, on a Wingull, on a Dratini, Lillipop, je crois que c'est Ponchion en français, Bonesuit, Psyduck, Psychoquack, ou Marini en reverse, et quand même, regardez juste la façon comment les gens dessinent ça, c'est juste incroyable. Et nous avons Stoutland en rare. Bon, pas de GX. On passe à la suivante qui est Incineroar. Désolée, aujourd'hui on dirait que mon téléphone ne veut pas faire focus comme du monde. Le code. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais sur mon compte Instagram, je fais actuellement des giveaways. Je pense que j'avais dit des trades, mais ça s'appelle des giveaways. Donc,
Je le fais complètement gratuitement parce que j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. Donc, on a une énergie. On a Lily. Metapod. Granbull. On a Snowball. Oh! C'est quand même assez drôle. Ok. Makuhita. Cutiefly. On a Drowsy. Brindibou. Ouh, ok. On a l'évolution d'un Brindibou, d'Artrix. En français, je sais plus c'est quoi. Et on a un papier illusion en rare. Donc, c'est fini pour le Sun and Moon Basic. On va passer à la suite, qui est le XY Evolution. Je vous donne le code. Et là, je me tromperai pas, c'est 1, 2, 3, 1, 2. Donc, on a le Trainer Spirit Link. Un Trainer Pokédex. On a Hunter. Voltorb. Charmander. Salamèche. Nous avons celle-là au moins en reverse. On a Diglett. Gastly. On a Chenipan. Ouh, Kakuna en reverse. Pour vrai, ces cartes-là, en tout cas, cette base de set-là, je trouve que les reverse sont vraiment bien faites. Ça refonce un peu la carte, mais elles sont quand même très très belles. Et on a un Arcanine en rare. Bon. Il nous reste, malheureusement, qu'un seul booster. XY Furious Fist. Et voilà le code. Ok. Oh, on commence avec une énergie assez spéciale. Énergie plante. On a Trainer Maintenance. Amora. Oh, ce dino-là, je la trouve tellement beau en vrai. Là. Son évolution est juste intense. Drowsy. Golette. Bellsprout, Shelmet, Oup. On a un Magmar, on a un Noibat en reverse et Electivire en rare. On n'a pas d'holographique malheureusement. Luna, tu nous as pas donné ce que l'on souhaitait, mais au moins. Je ne me plaindrai pas des cartes que j'ai. Je suis quand même heureuse d'avoir quelques reverse et quelques rares. Mais nous avons au moins cette petite beauté qui va finir sous un plastique dur. On va passer à la compilation des cartes. Alors, nous sommes de retour. Donc, on va commencer par le Sun and Moon. Nous avions eu un Dartrix en reverse, accompagné d'un Butterfree en rare. Nous avions eu un Stoutland en rare aussi et Marini en reverse. Je tiens vraiment à dire qu'elle est vraiment belle. Ensuite, nous allons dans le XY Evolution. Donc, on avions un Kakuna en reverse et un Arcanine en rare. Et pour finir, la fin de la vidéo. XY Furious Fist. Nous avons un Noibat en reverse et Electivire en rare. Donc, je vous revois pour une prochaine vidéo en français. Les deux prochaines qui vont sortir vont être en anglais, mais n'hésitez toujours pas à regarder, ça va me faire très très plaisir. Donc, faites un j'aime, commentez quelque chose si vous aimez mes vidéos, partagez, followez-moi sur YouTube et Instagram pour en savoir plus. À la prochaine! Bye!